Salut, salut, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un retour de course chez Leclerc. Je suis allée au drive comme d'habitude pour que je puisse gagner du temps en sortant du travail. Et j'ai profité des promos Leclerc, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Je commence par les surgelés parce que je vais tout de suite les mettre au congélateur. Alors j'ai pris des pommes allumettes pour faire au four, donc 15-20 minutes au four, donc ça c'est très très pratique. J'ai pris aussi des frites un peu plus larges, donc des frites classiques, toujours à faire au four. J'ai pris aussi des pommes de terre tranchées, sautées, donc là c'est à faire à la poêle. Donc ça on aime bien faire ça avec une bonne omelette. J'ai repris de l'hachis de bœuf, prêt à cuisiner, donc il y a 400 g d'hachis de bœuf. Et j'ai pris, pour terminer, ça n'ira pas plus bas. Voilà. Pour terminer le surgelé, j'ai pris ces deux boîtes de piccolini. Donc j'en ai une lardon, oignon, fromage, crème fraîche. Et une bolognaise. Donc je range ça tout de suite. Faut pas que ça décongèle. Maintenant, on passe au frais. J'ai tout regroupé comme d'habitude pour gagner du temps et vous faire tout ça par catégorie, c'est mieux. Donc j'ai repris deux pizzas. Donc là, champignons et jambon. Et quatre fromages. Donc des pizzas fraîches de la marque Leclerc. J'ai pris des yaourts, donc ce sont des danettes liégeois au chocolat. J'ai pris des mix and croque à la vanille, donc ce sont les yaourts crème dessert avec des billes aux trois chocolats. J'ai pris mes yaourts préférés de tous les temps du moment, la crème du velours caramel. Ou la velours de crème au caramel plutôt, c'est mieux. Ensuite, il y avait en promo des yaourts Maminova. Donc fondant au chocolat, ça c'est trop bon. Ensuite, j'ai repris des petits lardons. Donc ça va, ils sont en bon état. Voici, donc j'ai repris des petits lardons. Donc des lardons fumés et des lardons nature. J'ai repris du jambon. Du jambon sans couenne, supérieur cuit et étouffé. Donc 8 tranches. J'ai pris des boulettes de viande pour faire une petite sauce avec des pâtes ou je sais pas encore ce que je vais faire. Pas de sauce boulette, enfin on verra ça. J'ai repris le gruyère que j'adore, donc c'est du gruyère râpé aux trois fromages de la marque Leclerc. Il est super bon celui-là. Ensuite, j'ai pris du fromage à raclette, qui dit journée fraîche, je dis raclette et tartiflette. Ensuite, j'ai pris des cordons bleus, donc comme ceci, c'est mieux. J'ai pris des cordons bleus au poulet. Cordons bleus au poulet de la marque Le Gaulois. J'ai repris du bacon et j'ai pas pris de steak haché pour faire des burgers. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà pris du bacon, c'est déjà ça. Ça, ça va bien aussi avec le fromage à raclette. C'est des plateaux spéciaux raclette. Donc, il y a quoi dedans? Il y a du jambon de Vendée, du bacon fumé, de la rosette et de la copa. Donc j'en ai deux dedans, c'était une promo. J'ai repris deux pâtes, donc une pâte brisée et une pâte feuilletée pour faire une petite tarte à la maison. Des tartes maison plutôt, pas des tartes à la maison, mais des tartes maison. Ensuite j'ai pris des pasta box, c'était en promotion, et puis c'est de bonne quand on n'a pas trop envie de faire à manger. Donc j'ai pris des fusilli à la bolognaise, des fusilli à la carbonara, donc ce sont les pasta box de Sodebo, et des fusilli au fromage italien, donc toujours de la marque Sodebo. J'ai repris de la crème fraîche, de la crème légère comme ceci, de la crème fraîche fluide, légère. Je trouve que c'est bien pratique en petits cubes comme ça, je valide à fond. J'ai repris du camembert de campagne, cette fois-ci de la marque Président, parce que le précédent n'a pas trop aimé. J'ai pris des jus de fruits frais, donc du pur jus 3 agrumes avec de la pulpe, et pur jus d'orange avec de la pulpe, parce que je kiffe la pulpe. Et pour terminer, j'ai repris des petits œufs. Donc maintenant, je vais aller ranger tout ça, et on se retrouve juste après.
Je vous reprends maintenant parce que l'appareil photo a coupé, la batterie était HS, donc j'ai chargé un petit peu le temps de ranger toutes mes courses au frais et je vais vous montrer le reste. Donc c'est tout ce qui est sec, conserve, boisson, etc. Et on va commencer avec ça, ça va faire du bruit. Donc c'est un lot de biscuits Belin, biscuits apéritifs. Donc des croustilles du Emmental, donc ça on a trop kiffé, du coup j'en ai repris et c'était encore en promo. Ensuite j'ai repris des chips à la crevette, des pétales à la crevette qu'on adore. J'ai repris des rings, saveur oignon, pas trop bon. J'ai repris des petits paquets de chips pour mon chéri quand il part travailler, c'est pas tout pour lui. Ensuite, il y avait un lot de baguettes viennoises comme ça pour le petit déj, c'est bien. Ah, c'est sucré salé, tiens. On va tenter. On va tenter sucré salé. Donc voilà, elles sont déjà pré-coupées, donc ça c'est top, top, top. Ensuite, j'ai repris du pain de mie sans croûte-croûte. Ça, c'est notre panier préféré de la marque Jacquet. J'ai pris du spéculoos en pâte à tartiner, c'est trop bon. Et il y en a un qui m'a laissé le pot vide en placard. J'étais trop contente de me faire une crêpe à la pâte à tartiner spéculoos et il n'y en avait plus. Dégoûtée. Ensuite, j'ai repris des confitures, donc confiture extra à la fraise et confiture extra à la rhubarbe de la marque Leclerc. Elles sont trop bonnes, elles étaient en promo, c'est top. J'ai pris des poires Williams en deux au sirop pour faire une charlotte aux fruits ce week-end, ça va être trop bon. J'ai repris des champipis en conserve. J'ai repris du viandox, j'adore ça pour mettre dans mes soupes, vermicelle, tout ça, et dans mes salades avec de l'huile et du vinaigre, c'est trop bon. J'ai repris un concentré de tomate en tube, il y a un peu vécu avec le drive. Mais bon, le principal c'est que ça soit bon, hein, ça reste du concentré. J'ai pris des petits spéculoos de la marque Leclerc. On va les goûter ceux-là, j'avais pas encore pris cette marque-là, donc on va les goûter, c'est en promo, donc voilà. J'ai repris du thé pêche. Ruben m'avait demandé du thé à pêche, j'en ai repris. J'ai repris cristalline à la fraise, on adore. J'aime bien changer, alterner avec Volvic, juicy, fraise et citron. Et là, je prends que cristalline fraise. Ça dépend en fait en fonction des promos. Donc là, j'ai voulu reprendre celui-ci. J'ai repris du jus de pomme pour Ruben parce qu'il kiffe le jus de pomme en briquette. C'est pratique pour le goûter, pour quand il y a soif, quoi que ce soit. J'ai repris des canettes de coca, je préfère les canettes de coca, enfin le coca en canette plutôt c'est mieux, parce qu'en bouteille j'ai l'impression qu'on ne boit pas assez vite et du coup les petites bulles s'évaporent. Donc j'ai pris du zéro et du classique. Et j'ai repris aussi des petites bouteilles cristallines qui sont bien pratiques. J'allais oublier, j'ai aussi pris des légumes. Donc j'ai pris des pommes de terre vapeur sautées, spéciale vapeur et spéciale pommes de terre sautées. Pour faire avec la raclette, on va se régaler. J'ai repris aussi des petits oignons jaunes comme ceci, à rissoler et à mijoter. Et ceux-là, ils sont très bons. Et ma foi, leur durée de conservation est plutôt très bonne. Franchement, j'adore ceux-là et je ne prendrai que ceux-là maintenant. Ensuite, j'ai repris de la petite lessive Ariel 3 en AirPods. Elle était en promotion à moins 50 ou moins 60%. Donc, c'est tout ça, c'est parfait. J'ai repris des rasoirs pour mon chéri, puisque il a rasé sa barbe. Donc, moi, je suis contente qu'il se rase de nouveau, n'est-ce pas? Donc, je lui ai repris des petits Wilkinson, voilà. Et pour terminer, j'ai repris les sopins de Les Sweet Tout de la marque Repair, du blanc tout simple parce que sur le dry il n'y avait pas d'autre chose, et en compact ça équivaut à 4 roues, donc on verra ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai terminé ce retour de course Leclerc, je suis naze,
Je vais aller faire une petite pause dans le fauteuil avec Ruben, boire un petit coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air comme d'hab. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Bye bye.